voilà sur le domaine de Chantilly où j'ai été invitée pour assister à une avant-première de leur spectacle parce que chaque hiver ils font un spectacle de Noël et donc cette année c'est Alice et le Manège Enchanté, donc tour voilà au domaine de Chantilly. Le domaine de Chantilly c'est un vaste ensemble de 7830 hectares, c'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 7830 hectares, donc qui est composé du château de Chantilly, du musée du cheval, de l'hippodrome et des grandes écuries, donc un monde du cheval incroyable. Chantilly est aussi réputé pour son immense forêt, il y a une immense forêt à Chantilly, le musée de Condé, donc qui est le musée du cheval, vous pouvez voir une affiche juste ici. Le musée du cheval il aborde plusieurs thématiques, tout d'abord l'histoire de la domestication du cheval, l'évolution des types de harnachement selon les siècles et toutes les races de chevaux qui sont présentes dans le monde. En début 2009, le musée du cheval a entièrement fermé pour des rénovations et donc les chevaux des grandes écuries ont pris pension dans les anciennes écuries du cadre noir de Saumur où ils en ont profité pour faire un gala en commun, ces deux grands maîtres de dressage. Je me demande à quoi peut bien servir un livre sans images. Si seulement tous ces personnages pouvaient prendre vie, comme ce serait amusant. Mais un âne avec un réveil, cela est vraiment très étrange. Un message? L'heure du thé approche, nous t'attendons pour le goûter, dépêche-toi. L'heure du thé approche, mais il n'est pas 5 heures enfin. Nous t'attendons, mais qui diable m'attend? Je n'ai pourtant pas reçu l'invitation.
Décidément, aujourd'hui, tout est très, très étrange. Tiens. Quelqu'un a oublié sa clé. Elodie Jacquet. D'accord, et vous représentez qui dans le spectacle ? J'ai plusieurs personnages, dont deux rôles qui ressortent le plus, c'est la reine de cœur et le miroir magique. D'accord. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Mathilde Poutot. D'accord, et vous avez représenté qui dans le spectacle ? Alice. Et comment vous avez fait pour parvenir à assister à ce spectacle, représenter Déjà, c'est une écurie de spectacle, ouais. Donc quand on vient pour travailler ici, on sait pourquoi on signe, c'est pour le spectacle. Et du coup, on passe quand même un casting pour voir si on est à l'aise en public et voir aussi notre travail technique à cheval. D'accord, donc pour un monitorat, un galop on a tout le monitorat et après, certaines ont aussi tourné en compétition, ce qui fait que le niveau équestre est bon aussi. Il y a certains niveaux exigés. Oui. Et forcément le monitorat. D'accord. Il n'y a pas de formation avec une école qui apprend spécialement à l'école avec le spectacle. Non. C'est vraiment. Il y a les Pignons qui avaient créé une école, mais elle a fermé. D'accord. Donc si on passe le monitorat et après on passe un casting pour éventuellement assister à des spectacles et représentations. Exactement. D'accord. Bah, je vous remercie. De rien. Et vous êtes cavalière donc. Oui, écuyère ici. Comme et donc autres. Là, dans ce spectacle, vous avez surtout joué le rôle un peu principal de Alice et aussi avec l'âne à la fin. Oui, à la fin et au début, j'ai mon âne. Ah oui, c'est au début. J'ai trois ânes, dont le deuxième qui tire la petite charrette. Oui. Confié à Charles, le chapelier. Et comment vous avez fait pour en arriver là, pour pouvoir intégrer le spectacle et jouer au sein même du château ici à Chantilly? Eh bien, j'ai postulé et j'étais cavalière classique avant et je faisais du chant et du théâtre. Et d'accord. Du coup, en postulant ici, ça m'a permis d'allier ces trois passions. Donc vous avez pu allier vos trois passions, l'équitation, le chant, le théâtre et pouvoir postuler pour jouer dans ce superbe spectacle. Donc ok, et du coup c'est ça, seulement un monitorat et qui vous a ensuite un casting et il n'y a pas d'école spécifique. Mais certaines cavalières n'ont même pas de monitorat, ça dépend vraiment du parcours de chacune. Il faut bien sûr un intérêt pour le dressage. Un certain niveau déjà. Un niveau sur le dressage, avoir un petit peu goûté à la haute école et surtout un amour de l'art en général, que ce soit de la danse, du chant, du théâtre, parce qu'il faut être capable d'envisager que les mouvements équestres vont passer après l'aspect scénique et l'interprétation. D'accord. Et comment vous travaillez avec vos ânes pour préparer un spectacle ? Les ânes, les ânes, c'est plus compliqué que les chevaux, c'est plus lent, il faut être patient, ouais. Voilà. Plus de patience. Mais je suis assez contente d'eux parce que les trois sont sur le spectacle, donc mes trois, dont le deuxième qui fait l'attelage et il a été débourré à l'attelage là en deux semaines, ouais, voilà. Bah, donc je suis très fière de lui, voilà. Et vous travaillez pas avec, vous avez que des ânes à vous, vous travaillez pas avec des chevaux pour d'autres spectacles ? J'ai 4 chevaux. D'accord. Et 3 ânes. Ah d'accord, donc ouais. Vous avez aussi travaillé avec vos chevaux et pareil vous les préparez pour des spectacles longtemps à l'avance, vous avez certaines des sensibilisations à faire avant d'entrer sur une piste ? Oui, alors ça dépend de... moi dans mon piquet il y en a qui sont plus courageux que d'autres. Oui,
ça dépend vraiment du tempérament et on va travailler au quotidien avec eux, trouver la discipline qui les met le plus en valeur et proposer des numéros à Sophie et Virginie Bien-Aimée. Et s'il y a un créneau dans un spectacle, du coup, on peut insérer ce numéro. Voilà. Ouais. C'est beaucoup de patience, beaucoup de désensibilisation. Du travail. Voilà. D'accord. Bah, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Coucou. Thank you.